objective is to support the young entrepreneur and woman entrepreneur to actually grow their businesses, sustain them in the West Africa and Africa's business ecosystem. This is a private sector engagement which is led by the United Nations Economic Commission for Africa. The theme of the event is spurring women and youth towards Africa's transformation agenda. How do we create more people who actually empower the existing businesses to take their businesses to the next level? Because there are some people who are not essentially designed to be entrepreneurs, people who are designed to actually help build, support others build companies. How do we create African data scientists who can solve African problems and really help propel the continent forward? How do we identify high potential talents, add value to them, and then connect them to industry? And that's how Blossom Academy was born. Donc je disais que j'allais dire que moi c'est dans les ICT. Donc comme j'ai eu à le présenter tout à l'heure, j'ai créé un réseau social vocal en langue locale parce que beaucoup ne savent pas lire et écrire. Mais la question qui est là, c'est de dire comment les technologies peuvent être un vivier de l'emploi. Selon une étude de la Banque mondiale, l'emploi de demain sera très majoritairement basé sur les TIC. Et je vais dire encore plus. En 2019, au Salon mondial de l'innovation à Las Vegas, la première conclusion était de dire que si vous faites quelque chose de façon traditionnelle, et que quelqu'un d'autre fait la même chose avec les technologies, cette personne va vous dépasser. Et troisième chose, c'est qu'il y a aussi, j'arrête pas de le dire, le côté entrepreneuriat innovant. Every state in every country in Africa must have a hub. A hub that is free and accessible to young people. It is non-negotiable because the hubs are the universities of the future. That's where they can scale up, that's where they can collaborate, that's where they can acquire what they need to acquire. And literally every tech company here must have that hub mindset where they can allow for filtration of ideas, right? Nous a poussé à créer Artist Records parce que nous avons constaté qu'au Niger, le secteur de l'art est tellement informel que nous nous sommes dit avec ce qu'on a eu à apprendre à l'école comme bagage, mon associé, il a un master en droit, moi je suis dans l'administration et gestion des entreprises. Donc nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on peut faire pour amener notre contribution à professionnaliser le secteur de la culture au Niger. Alors, nous faisons des formations pour cela, donc en gestion de carrière, pour montrer à l'artiste qu'il peut faire de son art un métier. What we do at Famila is we try connect farmers directly to market. Why, you may ask? Because we find that there are relevant players across the supply chain who then eat into the farmer's money and the buyer ends up paying more. We came into the space and we introduced a software platform where buyers can then have visibility of farmers' produce. And farmers can connect directly to buyers, making up to 25% more. The fragmented nature of the agricultural supply chain is an issue across the whole continent. Je viens du Mali, où l'agriculture occupe 80% de la population active et contribue à plus de 40% au PIB du pays. Malgré quoi, nos agriculteurs sont confrontés à de nombreuses difficultés, comme le manque d'accès au marché, le manque d'accès à l'information et à la formation agricole. La digitalisation peut être une alternative à ces problèmes, mais quelle digitalisation pour les personnes à 80% des petits exploitants, à 75% en zone rurale et à 70% non alphabétisés. Mais en zone rurale chez nous, la télé est très répandue contrairement aux smartphones, surtout en zone rurale. Et nous avons pensé à ramener les services digitaux pour les agriculteurs directement sur téléviseur. Je viens de Burkina Faso, c'est un plaisir d'être là. Et je suis là en tant que président de la coopérative d'habitat Irinoma, qui est une structure coopérative qui intervient dans l'offre de logement au Burkina Faso. Et pour répondre efficacement à votre question, je vous parle au niveau du contexte.
Il faut dire que au Burkina Faso, nous avons décidé de créer cette structure sur la base d'une réalité que nous vivons depuis ces 15 dernières années. Il faut dire que ces 15 dernières années au Burkina Faso, le secteur de l'immobilier a connu d'énormes difficultés liées à l'accaparement des terres par des promoteurs privés qui en font véritablement leur business et qui a entraîné une surenchère au niveau des coûts des logements au Burkina Faso. Why is it important for us to consider this demography as we look at development in Africa? I think that I see a lot in this sector is that there are too few women that have a seat at the table. And I think that one of the ways that we can change this is by ensuring that, you know, more women are educated, they have more information, and we enhance their capacity to understand the processes and systems around real estate investing, and participating in the sector. To transform an industry that is dominated by women and the youth is supporting them with some funding opportunities as and when it comes. Nigerlé que je dirige depuis 1994, donc je suis fondatrice et présidente directrice générale de la société. J'emploie 150 personnes et parmi ces personnes, vous avez 12% c'est des femmes et 10% sont des employés en situation d'handicap, que ce soit des femmes ou des hommes. Et en termes de jeunesse, j'accepte beaucoup de stagiaires qui souvent, à mi-parcours, laissent tomber les stages parce qu'ils estiment que c'est trop difficile d'être en stage avec Madame Maïda, parce que je vous challenge. Je cherche à savoir si vous avez la compétence pour être à un poste donné. Voilà ce que je peux dire. Et Nigerlé, c'est aujourd'hui plusieurs milliards de chiffre d'affaires par an. Voilà, merci.